Mimi Beck, vous êtes un des plus célèbres producteurs du show business. Alors d'abord, j'aimerais que vous nous disiez en quoi consiste votre métier et d'autre part, que vous nous parliez de votre parcours jusqu'à aujourd'hui. Bien. Eh bien, je dois dire que merci du compliment que vous me faites. Je ne sais pas si je suis le plus célèbre, mais enfin, je suis un de ceux qui a peut-être le plus travaillé avec des revers sans cesse, comme on l'a souvent dans ce métier. J'ai commencé ma carrière en 61. C'est vous dire que j'ai connu l'avènement du twist. Et c'est pas une mince affaire. Les 60s, on en parle encore aujourd'hui. Et quand on sait que ça a parcouru les 20 ans, 25 ans depuis aujourd'hui, donc on sait que il y a eu beaucoup d'artistes qui ont démarré, puis d'autres qui ont chuté. Moi, en ce qui me concerne, j'ai démarré avec un garçon que l'on ne connaissait pas à l'époque et qui se nommait Claude Carrère. Et c'est avec lui, j'ai fait 14 ans de ma première carrière, parce que j'estime que j'ai fait deux carrières là. Ma première carrière, les années 60s avec Carrère, et puis après les années disco, sol, puisque j'ai quitté la société Carrère en 75, lorsque j'ai décidé à ce moment-là de lancer une chanteuse au nom d'Isabelle Morizet, qui n'était pas du tout faite pour ça, puisque on se demandait si elle chantait, si elle chantait pas, mais enfin bon, par les circonstances et par accident, je lui ai donc donné les moyens d'enregistrer son premier disque et j'ai mis toute mon équipe pour qu'elle soit un jour dans les hit parades. Et ça, ça n'a pas été simple parce que, bon, vous savez que les gens n'ont pas toujours le même talent, mais il faut avoir, pour nous, producteurs, le même résultat. Alors, c'est vous dire que, alors ça démérite pas l'artiste, mais je dis que un artiste avec beaucoup de talent seul ne réussit pas, et un artiste avec un peu moins de talent et une bonne équipe a plus de chance. Voilà ce que je fais. Je suis producteur de disques. Donc, qu'est-ce que j'ai produit dans ma vie? Si vous me demandez de me définir, ben, je sais pas trop, parce que vous savez, on produit beaucoup de gens. Alors, les points marquants pour moi, bon, mais bien sûr, ça a été Sheila. J'ai découvert un garçon qui est devenu le mari de Sheila, qui s'appelait Ringo, pour laquelle, bon, j'ai écrit sa première chanson qui s'appelait Elle, je ne veux qu'elle. En dehors d'être producteur, je suis auteur. J'ai donné la chance à un garçon que l'on aime tous bien encore, c'est Hervé Villard. Lorsqu'il est revenu de l'Amérique du Sud, il avait perdu tout son potentiel client en France. Et je lui ai donné son coup de chance en 70 en le produisant pendant 5 ans. En lui écrivant des chansons comme Les Anges du Matin, More Caro, More Bello, enfin beaucoup de chansons qui ont été dans les tops, dans les hit parades pendant 4-5 ans. Ça lui a donné. J'ai produit aussi un garçon qui s'appelle Monty, qui ne dirait peut-être rien aujourd'hui à la jeune génération, mais enfin la génération quand même de 25-30 ans se souvient bien. J'ai écrit toutes les chansons de Monty pendant 9 ans. Et puis. Puis plein de chants comme ça. J'ai eu Mamie Blue, j'ai eu enfin des choses qui ont été des tubes mondiales, puisque Mamie Blue, on a vendu quand même 2 millions de disques au Japon. Donc, et puis un jour, j'en ai eu un peu assez d'être le promotion man et d'être le plus que le bras droit, puisque j'étais un associé de Carrère, et j'ai voulu monter ma propre société et avoir ma propre entité. Donc j'ai donc pris tous les risques. Il faut savoir prendre des risques dans la vie, et je suis parti sans rien d'ailleurs, en laissant tout sur place, comme un déraciné, si vous voulez. Et j'ai pris des bureaux avenue Marceau, c'était le 1er janvier 76. Et puis là, bon, bah, j'ai connu quand même un moment extrêmement difficile, puisque de 76 à 77, c'était très très dur pour moi. J'avais une Karen Cheryl qui n'était pas une interprète de première paire, donc on n'en voulait pas beaucoup. Alors j'ai senti très nettement l'arrivée du disco. Et à ce moment-là, j'ai eu peut-être un coup qui était pas mal, c'est-à-dire qu'avec Céron et Alec Constantinos, on était les trois en France à imposer le disco à ce moment-là. Moi, j'arrivais avec un disco dit plus populaire. Avec Rod McCune, j'ai produit À mort, à mort, je ne sais pas si vous vous souvenez. Claudia Cardinal, Love Affair, Amadeo, Moving Like a Superstar, les Paradise, et puis quelques autres disques aussi que je. Bon, qui ont bien marché, 400, 500, 45 tours, mais enfin. Et puis là, j'ai dit, tiens, je vais revenir avec Karen Cheryl, toujours têtue, ça me faisait un peu de peine pour cette gosse de la laisser un peu sur le sable. Alors j'ai dit, bon, ben, puisque personne n'en veut, je vais essayer de lui redonner un coup de chance.
Et j'ai produit les playbacks, j'ai fait playback à Philadelphie, j'ai fait les voix à Londres, et je suis allé seul mixer à New York, dans les studios de Sigma, c'est en 78, et j'ai fait Sing to Me Mama pour Karen Cheryl, en lui donnant un nouveau look, en investissant 900 000 de nouveaux francs, 900 000 francs, et sur un 30 cm. Et puis là, bon, ben, la chance a fait qu'elle est redevenue un potentiel important. Et puis là, bon, ben, vous savez, devant la victoire, tout le monde est content, tout le monde applaudit, enfin bref. Et ça a bien marché. Après, bon, j'ai pensé que 3 disques en anglais, c'était suffisant pour elle. Elle n'avait pas l'étoffe de faire une carrière internationale parce que, bon, sur le marché international, il faut chanter en direct et tout ça, et c'est pas son fort. Donc j'étais un petit peu pris, donc je l'ai ramené en français en écrivant Si au Chéri Chéri et les Nouveaux Romantiques avec un garçon que j'aime beaucoup, c'est Didier Barbolivien. Bon, j'écris toujours les textes de toutes les chansons que je produis, ça c'est une habitude, et puis c'est un peu ma passion d'être auteur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre de moi? Vous savez, il faut rester modeste devant le succès, parce que l'insuccès est tout de suite à la porte. Donc il faut pas se dire qu'on est les plus forts, il faut dire qu'on travaille peut-être, il faut se dire qu'il faut travailler le plus. Et puis alors, moi je suis un gagneur, mais je travaille pas pour gagner. Je travaille pour gagner, mais même si je gagne pas, je me dis bon ben c'est pas grave. Mais je suis dans mon fond intérieur, je suis un gagneur. Un battant. Si vous voulez, si j'avais une carrière moi un peu à avec qui je m'apparenterais, si vous voulez, dans le 7e art, ce serait un peu avec Delon, qui lui est un battant. Alors même s'il se casse la gueule, ben, il a au moins été au fond de son truc. Alors et c'est comme un sportif, nous, vous savez, on a un hit parade. Alors qu'est-ce qui fait le hit parade? Ben, c'est d'abord les médias, c'est d'abord le public, et puis les producteurs et l'artiste viennent ensuite. C'est-à-dire que les producteurs managent un artiste comme un jockey mènerait à son cheval la victoire, et puis si le cheval ne va pas à la victoire, au moins ils ont été au bout de leur raisonnement. Certains disent, du moins j'ai eu dans la presse, que en janvier 76, vous vous êtes séparé de Claude Carrère, et avec Karen Cheryl, vous avez essayé de faire un style similaire à celui de Sheila. En quelque sorte, vous l'auriez opposé à Sheila, la concurrente directe et l'artiste primordial de chez Carrère. Qu'en est-il vraiment? Oui, c'est pas complètement faux. Vous savez, on fait bien ce que l'on connaît bien. En 61, avec Carrère, on a fait Sheila. Quand dit on a fait, le mot est peut-être un peu fort, mais vous savez, lorsque vous écrivez les chansons, lorsque vous managez, lorsque vous faites les premiers pas de quelqu'un, il y a le chanteur que l'on connaît, et puis il y a ceux que l'on ne connaît pas. Vous savez, dans la NASA, à la NASA, on connaît toujours les cosmonautes. Mais ceux qui se trouvent derrière, ce sont peut-être, je n'allais pas dire les plus importants, mais ce sont les essentiels. Parce que les cosmonautes sans l'arrière, on a vu ce qui s'est passé, ils meurent. Donc c'est une très belle plante, il faut arroser tous les matins un artiste. Il faut lui donner de quoi s'exprimer. Sauf dans le cadre de Brel, d'Aznavour, Léo Ferret, quelques-uns comme ça qui sont auteurs, compositeurs, interprètes. Cela, il n'y a rien à dire. Merci Monsieur Brel de me confier votre carrière. Vous êtes formidable. Je vous remercie de m'accepter pour travailler avec vous. Mais les autres chanteurs, il faut quand même dire ce qui est. C'est une équipe. Ce que je disais tout à l'heure. Donc lorsque moi j'ai participé à la construction de la carrière de Sheila, il est bien évident que j'ai appris à l'écueil dans lequel il ne fallait pas tomber. Pour faire un succès, il fallait faire ceci, pour faire cela, il fallait faire cela. Ce n'est pas des pantins les artistes, mais vous savez, je veux dire, l'intelligence déjà chez un artiste, c'est de savoir écouter. Première intelligence d'un artiste, il faut savoir écouter. Parce que si un artiste écoute dans les premiers temps, il faut qu'il écoute dans son deuxième temps. Parce que s'il sait écouter dans les premiers temps, ça veut dire qu'il ne s'est pas trompé s'il est devenu quelqu'un populaire. Donc, on n'est pas là pour leur faire des erreurs, on est là pour éviter de faire des erreurs. Donc, quand un artiste fait une erreur, ce n'est pas que l'artiste qui fait une erreur, c'est aussi le producteur. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque j'ai quitté Carrère, je suis parti sans rien, en laissant tout, en partant avec ma canne et mon chapeau, en disant, je pars. Pas fâché, très bien, mais c'était une direction nouvelle que je voulais prendre. Je voulais monter une société avec des gens autour de moi. Ici, autour de moi, j'ai à peu près 40 personnes qui travaillent aujourd'hui. Bon, ça semble rien, mais c'est quand même un brain trust déjà. Et ces gens-là,
me font confiance. Pourquoi ? Parce que je produis. Lorsque je suis parti avec un seul contrat que j'avais signé, qui était donc la petite Isabelle Morizet, que j'avais baptisée Karen Cheryl, parce que bon, je trouvais que c'est un nom qui sonnait bien. Donc à ce moment-là, j'ai donc fait ce que je savais faire, c'est-à-dire du Sheila, en quelque sorte. Mais le temps était plus le même et je sentais que c'était un peu périmé. Mais il fallait bien que je fasse ce que je savais faire. Je m'étais pas encore donné comme voie nouvelle de faire, par exemple, un disco comme j'ai fait après, puis d'autres matériels. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, c'était du Sheila. Donc, je l'ai très bien senti. C'est pourquoi en 78, je voulais quand même lui donner une véritable chance. Et ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai fait Sing to Me Mama. Vous voyez, mais effectivement, vous avez tout à fait raison de souligner que c'était du Sheila. Vous savez, si elle avait une voix qui puisse interpréter du Piaf, etc., j'aurais pas fait. Vous savez, on va à la guerre avec son fusil et ses cartouches. Si vous avez un super canon, bah, tant mieux. Mais là, j'avais qu'un fusil et j'ai mis les cartouches que je pouvais mettre pour ce fusil. Vous voyez, voilà. Pendant l'automne de 84, vous vous êtes séparé de Karen Cheryl dans des conditions houleuses. Ça a fait couler pas mal d'encre. Alors, comment expliquer cette rupture ? Eh bien, je vais vous dire. Alors là, c'est exactement le cas de figure. C'est unique dans l'histoire de la chanson. Après 10 ans de collaboration, j'ai reçu un jour une lettre commandée qui me demandait de rompre le contrat, alors que j'avais encore 2 ans de contrat. Je m'étais investi complètement. Oui, bah que j'attends. Je m'étais investi complètement et quand je dis m'investir, c'est aussi investir. C'est-à-dire que vous investissez votre temps, votre argent, votre conviction, tout le monde, une équipe. Et un jour, vous apprenez que parce qu'elle a fait une rencontre amoureuse, qui était un monsieur Eric Tubiana, avocat de profession, que j'avais d'ailleurs rencontré ici puisque je lui avais confié une de mes affaires. Donc, moi, vous savez, la vie privée, je peux conseiller amicalement la vie privée, mais j'ai aucun droit ni rien, hein, vous savez, je ne fais qu'un conseil amical, fraternel et de bon aloi. Donc, j'avais dit, bon, je ne sais pas si vraiment c'est le garçon qu'il te faudrait, d'autant qu'il était marié avec un père de deux enfants, de bas âge, de 2 ans et 6 ans, donc je trouvais que c'était un peu casser un ménage, enfin bref, ça ne me regardait pas trop, mais enfin, j'avais donné mon avis. Et puis, vous savez, quand les gens veulent s'ingérer dans la carrière des artistes, ils s'imaginent que c'est très facile. C'est en prenant un artiste, parce qu'on croit toujours que les artistes, c'est eux qui font tout. Hein. Alors, c'est facile de dire, j'ai fait ceci, j'ai chanté cela. Évidemment, quand on sort dans la rue, on se fait dédicacer, on donne des autographes, des choses comme ça. Alors, évidemment, le nouveau compagnon dans une situation nouvelle, bah, il se sent tout de suite flatté. Il se dit, mais dans le fond, un producteur, quoi sert-il ? Un producteur, dans le fond, c'est quoi? C'est quelqu'un qui te donne de chanter une chanson que tu chantes, et parce que tu la chantes très bien, et ben, mais t'as besoin de personne. Vous comprenez? C'est tellement évident. Et là, je crois que, à ce moment-là, ils se sont un petit peu pris dans le piège de dire, on fait tout nous-mêmes, on a besoin de personne, on est, dans le fond, IBAC, qu'est-ce qui va servir? À nous prendre 50% de nos revenus. Oui, si on le prend intrinsèquement, à la limite, ils n'ont pas tort. Mais si on prend dans le cadre, si vous le donnez à Aznavour, d'un Brel, à la limite, ils n'ont pas besoin de ce genre de producteur. Vous voyez, Léo Ferret, bon, il écrit ses chansons, il écrit ses musiques, il les interprète, il vient avec son package. Mais c'est pas la même carrière. Dans le cadre de Karen Cheryl, bon, j'écrivais les chansons, je choisissais les musiques, j'avais toute une équipe autour de moi, je produisais, je payais tout, je payais tous son brain trust, ses chorégraphies et tout ça, c'était bon. Et à ce moment-là, jusqu'à son maquillage et sa coiffure que je contrôlais, parce qu'autrement c'était en exagération. Et à ce moment-là, j'ai reçu une lettre commandée, j'ai demandé qu'est-ce que ça voulait dire, et elle m'a dit je voulais récupérer mon contrat. Alors il est bien évident que on peut pas signer des contrats et s'en délibérer. Si demain je signe un contrat avec vous, bon, vous allez me dire, attends, laisse-moi me retourner, on peut pas partir comme ça, bon, trouvons un... Et là, ils ont pas voulu trouver deux choses, ils m'ont fait 5 procès, et j'ajoute, là aujourd'hui je peux vous le dire, on les a gagnés tous les 5. Au moins la justice est au moins bien faite. Alors j'ai pas demandé, quand je dis, j'ai demandé un franc de dommages et intérêts, j'ai pas demandé, je lui ai pas demandé ni de dommages et intérêts, ni rien du tout, mais déjà, j'ai gagné ce que, à quoi on m'attaquait, c'est pas moi qui ai attaqué. C'est elle qui m'a attaqué. Donc on sait que la reconnaissance n'est pas de mise, mais à ce point-là, on ne pensait pas que ça soit si dur. Et croyez-moi, c'est très très difficile lorsque vous faites confiance à quelqu'un pendant 10 ans. Je me suis quand même mouillé justement en quittant Carrère pour
Karen Cheryl pour que justement elle ne sombre pas dans un broyement, si vous voulez, de société carrière. Et j'ai pris à ce moment-là des risques pour elle et j'ai été mal récompensé, si je peux vous dire. Ça, c'est une leçon que je souhaite à personne, aucun des producteurs de ce métier, d'ailleurs on en a souvent parlé avec mes confrères, de vivre ça parce que c'est vraiment très très dur. Moralement, parce que vous vous retrouvez en disant « bon, je suis parti de rien, je suis arrivé à pas grand-chose ». Voilà. Comment jugez-vous éventuellement, si vous avez un jugement à faire, la façon dont elle mène sa carrière aujourd'hui ? Bah, je crois que là, elle essaye maintenant, en étant seule, de faire du Karen Cheryl. Mais elle le fait, c'est du sous-Karen Cheryl, parce que depuis 3 ans où elle est partie maintenant, elle n'a pas fait le succès. Et je pense très sincèrement, et toute passion mise à part, que c'est pas avec ce qu'elle chante qu'elle va encore être numéro 1 au top 50. Oui, parce que pas de panique, ces choses-là, moi je veux bien, mais c'est pas... Alors, elle est partie pour ne plus faire du Karen Cheryl, oui, pour faire complètement autre chose, et elle le fait du sous-Karen Cheryl. Donc, à mon avis, elle a fait une colossale erreur, et vous savez que c'est toujours, quand elle fera son bilan de la fin 86, en 3 ans, elle va se dire, tiens, je faisais tant de royalties, j'étais tant populaire, je faisais ci, je faisais là... Je pense pas que c'est une bonne démarche, mais ça la regarde. Elle, je peux plus maintenant juger, parce que ça serait maintenant juger parti. Puis moi, je suis pas un juge. Moi, dans le fond, j'ai pas. Je lui en veux pas. Elle va se punir elle-même, parce que parallèlement à ça, bon ben, j'ai perdu Karen Cheryl, j'ai fait Douchka. Bon ben, c'est tout. Je veux dire, le résultat est là. Nous, on a fait 4 disques d'or en 30 cm et on a fait 3 disques d'or en 45 tours dans le même intervalle. Alors. Peut-être que j'avais tort de diriger la carrière de Karen Cheryl comme je le faisais, mais au moins elle était populaire, elle gagnait de l'argent et elle avait des disques d'or. Là, elle est peut-être autant populaire, mais vous savez que lorsqu'on a un crédit, on vit un peu sur son crédit pendant un certain temps, c'est un peu comme les économies. Si vous piochez dedans et que vous n'en remettez jamais l'argent dans votre coffre, un jour vous allez plus en avoir. Donc pour le moment, elle pioche dans le capital 10 ans que l'on a construit ensemble pour un jour ne pu avoir, si vous voulez, que ce qu'elle mérite, c'est-à-dire que on verra de quoi elle s'investit, parce que c'est un investissement humain de tous les jours. Pour Sheila, c'est le même cas de figure, vous savez. Je veux dire, Sheila, moi, il y a longtemps, je m'en occupe plus, puisque j'ai quitté le Brinktoast Sheila Carrère en 75, mais je crois qu'elle s'est un peu séparée de Carrère, et on a un peu ce cas de figure. Au niveau qualité, c'est peut-être mieux, seulement son public d'avant l'a pas suivi, et le nouveau, il l'achètera pas, parce que c'est n'achètera pas Sheila. Alors, il reste à savoir s'il faut évoluer dans son style ou s'il faut virer de bord à 90 degrés pour faire du mieux et prêcher dans le désert. C'est la question que je vous pose. Vous savez, les tandems, il ne faut jamais changer une équipe gagnante, quel que soit le chanteur. Et si un jour, Douchka, elle avait des velléités d'indépendance, eh ben, peut-être que ça serait le même cas de figure. Il faut être très lucide. Vous n'avez jamais fait faire de scène aux artistes que vous produisez. J'ai jamais compris ça. Pourquoi ? Erreur. Vous êtes mal informé. Chez là, on a fait une tournée de scène en 63. 62-63. Et comme elle était malade, on était obligé d'arrêter. Ensuite, elle n'a pas voulu refaire de scène et elle a fait le Zénith. On a vu ce que ça a donné. Bon, ils ont bouffé, je crois, 400 ou 500 millions. Donc... il vaut mieux savoir ce qu'il faut faire. Bon, quant à Karen Cheryl, elle était complètement incapable, elle était incapable de chanter en direct. Quant à Douchka, on a commencé la scène, nous, déjà depuis le mois de novembre l'année dernière. Alors, voilà, quand on peut le faire, on le fait. Mais quand on ne peut pas le faire, c'est toujours un problème. Ou un cheval peut gagner le prix de l'Arc de Triomphe, ou il ne peut pas gagner le prix. Alors, à ce moment-là, il faut faire les courses de Toisset, de Bourg-en-Bresse, et il faut essayer de composer avec l'artiste. Parlez-nous de votre rencontre avec Douchka. Comment le créneau pour enfants s'est décidé et comment vit-elle cela? Car à son âge, peut-être, on a eu envie d'être autre chose qu'une chanteuse d'enfants, une chanteuse de rock, une chanteuse plus branchée. Alors, je vais vous dire. Si on parle de Douchka aujourd'hui, c'est qu'elle existe. Si elle avait fait une chanteuse branchée de rock et tout ça, on ne serait pas en train d'en parler parce qu'elle prêcherait dans le désert. Vous y avez à peu près 500 disques qui sortent par jour. Ça, il faut le savoir. Vous avez des gens qui chantent bien, c'est pas ce qui manque. Alors, la chanteuse pour enfants, ça ne veut pas dire débile d'abord. Et puis, c'est quoi une chanteuse pour enfants? C'est une chanteuse, quand vous, par exemple, vous avez des t-shirts, vous, avec Mickey sur votre t-shirt, vous n'êtes ni un enfant et ni un débile. Donc, les chanteuses pour enfants, il y a deux sortes de chanteuses. Vous avez Chantal Goya, Dorothée, bien d'autres que j'oublie, et puis vous avez Douchka. Ben, rien que si on prend déjà parmi ces trois, vous avez trois styles déjà un peu différents.
Quand on prend par exemple élémentaire Mon Cher Balou, c'est l'adaptation de King Creole et des Coconuts. Déjà, qui n'a rien à voir avec la chanson pour enfants. Parce que Darnell, quand il est venu ici, le chanteur de King Creole, il m'a dit c'est la meilleure version que j'ai jamais eue de Paradise, là. Donc, il a emporté le disque et il était comme un fou. Donc, King Creole, déjà, ils étaient contents. Lorsque vous prenez, par exemple, les chansons et les rythmiques de 30 cm de douche casse, ce ne sont pas des rythmiques pour enfants, ce sont des rythmiques déjà qui décoiffent. Mais le look et l'environnement, ça oui. Mais vous savez que Disney est quelqu'un qui s'est évolué. Si vous regardez le Disney Channel, vous n'avez pas que les enfants qui regardent le Disney Channel. C'est l'émission la plus regardée tous les samedis soirs. Comment l'expliquez-vous? Ça veut dire que 60% du public français est d'accord. Donc, est-ce qu'il vaut mieux prêcher dans le désert en se disant je vais faire du rock ou je vais faire de ceci et vendre 3 disques plutôt que de faire disque d'or sur disque d'or et d'évoluer après par le temps. En conclusion, quels sont vos projets de producteur dans le métier? Par exemple, il y a eu depuis le départ un Karen Cheryl, maintenant il y a Douchka, y aura-t-il un après Douchka? Bien sûr, je ne vais pas me contenter là. Vous pensez bien qu'après l'expérience que j'ai fait avec Karen Cheryl, faites-moi confiance que, avec tout le respect que je dois à tous les artistes que j'ai, je suis chaudé, crêle l'eau chaude. Et pour être tout à fait sûr, je suis le patron de tous mes artistes. C'est pas eux qui me payent, c'est moi qui les nourris et qui leur donne le moyen d'exister. Donc je ne veux plus me retrouver dans le cas de figure en disant monsieur, je suis très content de vos services, je vous envoie quelques lettres recommandées pour aller voir si ailleurs si j'y suis. Et je veux bien, mais ça sera pour moi dans une autre vie, mais plus dans cette vie-ci. Inutile de vous dire que je serai m'entourer de chanteurs et tout en faisant mon métier comme il doit être fait, parce que j'ai un grand respect des artistes. Seulement, il faut pas qu'une fois que ces artistes deviennent extrêmement populaires et très connus, ils puissent avoir le moyen de mal vous remercier. L'expérience Karen Cheryl vous a donc rendu amer en quelque sorte? Pas du tout, lucide. Lucide, c'est-à-dire que je pensais que quand on a des excellents résultats, on ne pouvait, c'était à la vie à la mort, entre guillemets, d'une manière gentleman tout du moins, mais pas, parce que quand du jour au lendemain vous vous retrouvez, du lundi au vendredi vous vous retrouvez sans rien, et avec la volonté de nuire, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Donc il faut le savoir, vous savez... En période de conflit, c'est pas par exemple en période de paix, on fabrique les armes qui vont servir à tranquilliser si éventuellement il y a un conflit. Vous comprenez? Et c'est, de fabriquer quelques armes, c'est pas vouloir déclarer la guerre. Mais c'est la protection. Chacun a sa bombe atomique. Toutes les nations qui peuvent l'avoir, c'est pas parce qu'ils veulent la foutre sur la gueule de quelqu'un ou parce qu'on est en guerre, mais parce que c'est dissuasif. Je vous remercie.